avons fait ma course lenteur. C'est pas une course, non. C'est une épreuve de lenteur qui va nous conduire jusqu'en haut du village de Boubelet. D'accord. C'est pas un peu rare d'avoir une femme au volant? C'est extrêmement rare, surtout avec une voiture exceptionnelle comme celle-là, une voiture de 1919, construite en 1913 et d'une marque disparue qui s'appelle ZR. Police de 1943 qui a donc participé au débarquement en Normandie. Qui n'est pas propriétaire, qui n'a pas participé au débarquement. Non, non plus. Mais qui est. Qui représente malgré tout. Qui représente. Avec mon humble engagement, justement, cette partie historique. Parce que cette année, en fait, le 75e anniversaire du débarquement, notamment celui de Provence. Qui a été un petit peu masqué par le débarquement de Normandie, qui lui était beaucoup plus important, étant donné que c'était le premier débarquement. Le 15 août 1944. Donc on fête aussi cette année. Et on fête aussi cette année. La première ville en Provence qui a été libérée, pour la petite anecdote, c'est le village de La Motte. Less alone. Even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest, so I grab what I can cling to and I leave behind the rest. I'll hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. Les membres de la MRCV, c'est presque tous, du moins les plus importants. Ceux qui ont mouillé la chemise, d'ailleurs qui sont encore bien transpirants, et qui sont là tout prêts à vous faire des grands sourires et vous dire à bientôt. La prochaine fois, c'est pour
plein de cuques. Et plein de cuques, c'est quand? C'est ça, le... Donc le 22 septembre 2019, venez tous nombreux nous voir à plein de cuques. Merci. Jesus Christ, please tear my heart out.